Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2. Et comme promis, on se retrouve pour la bataille. On s'est fait prendre en embuscade, donc nos unités sont tranquilles, en train de marcher comme des glands. Et l'ennemi, visiblement, s'est déployé au moins en partie là. Normalement, il peut se déployer tout autour de nous. On a quand même une assez bonne vision là, il peut se déployer dans la forêt, on sait pas trop. Mais il a l'air de s'être plutôt mis là. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que nos unités cachées sont quand même cachées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on affronte des elfes, que du coup, ils ont masse d'archers de qualité, probablement. Là, on voit des rangers, mais il y a un petit peu de garde maritime ici, mais ils peuvent très bien être planqués. On n'est pas... En plus, on est en dessous. Ils ont une situation en hauteur, en plus. Donc, autant dire que c'est pas... hyper accommodant comme situation. On va envoyer les chiens par ici. Le chaman, il va courir par là. Toi, tu vas courir par ici. Les rejetons du chaos, ils vont courir par là. Les harpies, elles seraient gagnantes contre les patrouilleurs archers. Donc on va les envoyer pas tout de suite devant, mais éventuellement un peu plus tard. C'est parti. Donc je la joue à l'agression, hein. J'aurais pu reculer pour essayer de me faire une position défensive et tout, mais globalement c'est tout plat, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et ce que je sais par contre, c'est que voilà, avec ses archers, s'il a pu se placer à portée de mes gars, probablement qu'on va se faire dépouiller. Donc on va y aller, on a de la garde argentée ici, hein. C'est la violence absolue. En plus on a vraiment que du violencier tout pourri quoi. On est perdant je pense sur tous les combats au corps à corps. Mais pas trop le choix, va falloir y aller. Toi je t'ai pas demandé de bouger, c'est un peu con de ma part. Ici, feu, vous mettez en ligne rapidement. Sauf toi où ils sont déjà quasiment à portée. Tu vas essayer de diminuer un peu ces rangers si possible. Les rejetons du chaos, il va falloir qu'ils nous aident. On va les faire passer par là. Eux, tant qu'ils avancent pas, pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Le géant, c'est pareil. Je sais pas ce qu'il fout, mais il faut qu'il court un petit peu, là. Toi, t'as pas de sort. Toi, t'as un sort, c'est quoi? Le buveur d'esprit. Il faudrait qu'on arrive à trouver son héros. Pour l'instant, on le voit pas. On voit, hein, y a des flèches qui sortent de partout, là. Ça va être la violence, je pense, ce truc. On va envoyer nos trois chiens se faire plaisir. Attends, on va tellement se faire découper par les tireurs. Il y a eu un truc ici qui s'est passé, on sait pas quoi. Ici, on est engagé. On se fait déjà un petit peu dépouiller la tronche. Là, on va essayer de lancer ça sur eux. Ici, il faudra qu'on... Non, pas vous. Ceux qui sont derrière là. Vous voulez pas tenter plutôt genre une petite charge comme ça? Les loups ils y vont. Là on arrive. Ici. Ah ici faut qu'on. Va falloir qu'on tire. Hein. Va falloir qu'on avance pour tirer sur les tireurs. Essayer de se focus à 2 ou 3. On est malheureusement bien en bas. Ici on va essayer de tirer sur eux. Attends, des patrouilleurs encore ici, des rôdeurs fantômes. Du patrouilleur, wow, ça va être la violence. Ici on se fait attaquer. On va tenter d'accrocher les patrouilleurs archers. Ici on va essayer d'accrocher des gens. Par exemple sur une petite charge dorsale, même si ils sont pas hyper efficaces. Alors ici on s'est fait choper par les gardes maritimes, ça me va pas trop. Au moins on arrive à neutraliser un peu leurs tireurs. Bah oh la vache, la vie qu'on se fait, on se fait dépouiller quoi. Le géant il est au contact, c'est parfait. Ici la harde en avant. Les rejetons du chaos ils vont faire un petit truc comme ça. Ici il faut qu'on dégage nos chiens là. Ils sont beaucoup trop... Beaucoup trop exposé. Essayez donc de me choper ces cons plutôt. Toi c'est pareil. Cours donc après ça. Non, plutôt après ça.
Contre les gardes maritimes, on va se faire dépouiller, il y a juste pas de... Il y a juste aucun doute là-dessus. Putain, ici ça a complètement cédé, l'avantage au moins c'est qu'on a un certain nombre de tireurs qui font un peu le taf. Ici on est au contact avec nos tireurs, parfait, ça va tenir le temps que ça va tenir. Le géant, il y va. Ici on va reculer un petit peu. Putain, cette volée de tir, ici c'est la déroute, nickel, lui, bah va falloir y aller. Alors je sais que t'es en menace élevée contre tout le monde, hein, mais à un moment, faut arrêter de glander. Là les harpies font ce qu'elles peuvent faire, savoir emmerder le monde. Là on se fait défoncer sans surprise, on va se faire tellement dépouiller quoi. Et moi ça, on a rien pu faire, mais littéralement rien pu faire. On fait un peu mal hein, à droite à gauche, mais waouh quoi. En plus même là ils ont des boucliers les mecs. Allez le rejeton du chaos, faut me traverser tout ça. Alors les guerriers se rassemblent, ils vont se rassembler un petit peu à droite à gauche. Il y a moyen qu'on gagne sur ce flanc normalement. Dans une certaine mesure bien sûr. Étant donné qu'on a de la garde argentée qui se rapproche. Nos chiens sont tous en déroute. Ici on est contre des lanciers, mais tu parles, on se fait tirer dessus de dos, de côté, de partout. Notre chef se fait dépouiller. Envoyer un petit peu de renfort. Si on peut appeler ça ainsi. Les pillards ont une belle jauge de morale, hein, mine de rien. Lui, il vomit à droite à gauche. Putain, ils sont réussi à, juste avant de sortir de la zone. Alors, faisons un point. Qui s'est rassemblé. Ici ils sont en déplacement. Ici ils sont en déplacement. Ici vous pouvez tirer là-dessus. Ici vous pouvez tirer là-dessus. Vous pouvez tirer là-dessus. Tous les chiens ont disparu. Notre héros est en déroute sans grande surprise. J'ai même pas vu son héros hein. Il est pas là. Il est là. Ah, il a même pas eu le temps de lancer son sort avant de s'enfuir. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Ça sert plus à rien de les ramener hein. Voilà. Le géant il est indémoralisable ou pas? Non il est pas indémoralisable du tout hein. Eux, non, eux sont indémoralisables par contre. Donc eux ils vont crever jusqu'au bout. Ce qui est fait. Voilà. Défaite décisive malheureusement. On a pu faire quand même un peu de dégâts, mais ouais, alors la garde argentée et tout, hein, c'est sûr, hein, face à des hardes de lanciers. Autant dire que on n'est pas trop au niveau. Je pensais vraiment pas qu'ils pouvaient faire des embuscades. Je pensais qu'il y avait que les scavens et les hommes bêtes qui avaient ce genre de compétences. Du coup, il m'a pris par surprise, très clairement. Mais on n'est pas complètement mort. La question étant, est-ce qu'il va pouvoir nous poursuivre? Non, je pense qu'on est trop loin. Pourquoi on n'est plus en mode raid par contre là? This is the blague. Alors, ça fait quoi? On va le filer à notre Minotaur. C'est un petit peu abusé ça. Ok, au moins on est effectivement passé en mode embuscade et on n'a pas
on n'est pas fatigué, parce que j'aurais été un petit peu chafouin, si ça avait été le cas. Oh putain, et puis en plus ils ont que des zones en hauteur quoi. Les mecs, non seulement ils sont en embuscade, mais en plus ils se permettent le luxe d'être bien placés. Bim! Ça s'est fait! Le petit lancement d'embuscade par Alitz là. Alors, du coup, ça se passe comment? Pour l'instant, ici c'est de la flotte, d'accord. Du coup, ils sont probablement effectivement dans le coin. Là, on voit quoi? Des gardes maritimes. Alors, par contre. Non, ils sont tout à l'arrière. Donc, on va faire différemment. On va avancer par là. Les chiens. On va les faire avancer derrière. Vous, vous allez tracer en ligne par là, vu que l'ennemi est probablement par là. Vous allez tracer en ligne. Juste derrière, vous vous allez là, toi tu vas te foutre ici très rapidement. Lui pour le coup il a du dégât de zone. Et le Minotaur, pour un, il va se lancer avec une petite potion de célérité, peut-être pas tout de suite, ou à un moment il va charger, on va le faire. Voilà, c'est parti, les tirs sont lancés. Qu'est-ce que tu fais? Ah putain, il a perdu la vision. Cours! Cours, cours, cours. Ok, voilà, sans surprise, ça commence à tirer. On va essayer de les choper. La Manticore, pareil, elle va essayer de prendre un peu la vision. Ici, on est parti. Ouh, c'est quoi qui fait ces dégâts-là, là ? Alors là... Une harde de gore, on va se lancer contre les petits rangers. Alors ici du coup, on va prendre notre potion et on charge. Nos tireurs ils sont quasiment à portée déjà. Essayer de tirer, ça c'est quoi? Patrouilleurs archers, ils sont dans la forêt. On va envoyer notre petite manticore sur cela. Elle devrait être un petit peu plus costaude que les harpies, je pense. Ici, on y va. On va soutenir le copain. Là et là, on charge. Ah, ici, il y a Alit qui est là. On va essayer de se le faire. Si on arrive à le faire tomber, ça peut être très très bon. Un petit sort par là. Bim. Et ça, ça fait quoi? Dégâts des armes, 25, 30 d'armure. Ouais, on va attendre d'être au contact pour balancer ça. Mais ouais, c'est clair que les tireurs, c'est que ça va être la violence. Est-ce qu'il y a de la garde argentée là? Ça, c'est de la garde argentée. Ça, c'est du ranger. On va essayer de les affaiblir un peu. Tout le monde tire là? Vous êtes qui? Ah, le Minotaur qui a traversé les lanciers comme s'ils n'existaient pas quoi pour charger sur Alit, c'est bon ça. Bim, allez mange. Ici la Manticore qui a réussi à rattraper un peu le monde mais qui se fait rattraper par la patrouille. Tu vas redécouler, là, redécoller et partir par là-bas. Ici, on a chopé cela. Le géant qui traîne un petit peu, mais c'est pas grave. Ici, on va les attraper parce qu'on veut pas qu'ils donnent trop de coups de main à leur chef. Ici, c'est parti. On se fait plaisir. Là, on va concentrer nos tirs sur la garde argentée si on peut. Les chiens. Ça, ça me paraît tout à fait accessible pour vous. Vous faites un peu le tour. Ah, les échanges de tirs, waouh quoi.
c'est complètement la violence. Ils sont bons au corps à corps, eux? Projectiles perforant les armures, très rapide, attaque empoisonnée, ouais, vite fait quand même, hein. Essayez donc d'affaiblir un peu ça. Ici, on a réussi à neutraliser eux, c'est parfait. On va amollir au maximum la garde argentée. Alors, est-ce qu'on est toujours contre l'autre con, là? Il est là-bas. Bouge. Toi, tu peux relancer un sort. C'est parti. Par exemple, là. Merde, c'est en déroute. C'est la déroute. Ici, on neutralise des patrouilleurs et des guerriers des ombres. Là, on est en train de terminer des rôdeurs fantômes. Ok, c'est ici que c'est compliqué. Là, on va les choper. Ici, le front est en train de céder, malheureusement. Malgré nos différents sorts, ça cède. Un petit peu partout. En même temps, la garde argentée, quoi. Pas de surprise. Voilà, ça y est, on est bon là. On va remettre un petit bonus par là. Tu vas rester au milieu, histoire de d'aider un petit peu au moral, on va dire. Le géant là, il fait des trucs, ouais, il fait des trucs. On a quasiment tué. Si on arrive à se débarrasser de lui, pour peu que ce soit pas son dédoublement à la con là. Non mais arrête-toi pas par contre. Il faut que tu me le chopes, la manticore là. Pareil. Voilà, renvoie-le sur le Minotaur. C'est parfait. On va se concentrer là-dessus un peu. Nickel. La manticore, elle peut retourner s'occuper de ça. Qui est en plus en train de faire chier mes mecs. Ici, bah, ils galèrent quand même, hein. Face aux rôdeurs fantômes. Ils sont en galère. Alors là, on a quoi qui est revenu? Go. Non, go ici. Vous. Rôdeur fantôme menace élevée. Bah, allez-y quand même. Là ça tient. Ça. Enfin ça tient. Ça tient quoi. Hein. C'est un grand mot mais. Ça fait le taf on va dire. Il n'y a personne d'autre qui a l'air de s'être trop reformé derrière. Clairement, hein, nos tireurs sont totalement surclassés. Allez, toi là, chope-le. Putain, il court vite ce con. Ah, il fait demi-tour. Quelle bonne idée. Allez, faut le taper maintenant. Ici, on balance un sort. On envoie par là. On va commencer à taper un peu dans le tas. Où est-ce qu'il est? Il est en déroute. Fuck, on n'a pas réussi à le tuer. On va venir se filer un petit coup de main, plutôt là d'ailleurs. Ici, on est de nouveau à peu près en état. La garde argentée, on a réussi à lui faire mal ou pas? Elle est où? Putain la vache, 94 encore quoi. Sérieusement. Allez go, ici. Tout ça c'est en déroute. Ici nos mecs là, ils sont au contact là. Ok, on va réussir peut-être à gérer ces rôdeurs fantômes. Tant bien que mal, disons-le. Ah mais là-bas on a gagné là. Avec nos trucs là. Chopez donc ceux-là s'il vous plaît. Les petits chars. Les petits chars qui eux font bien le taf par contre. Alors toi, tu t'es reformé juste avant de t'enfuir. C'est parti. Tu vas filer un coup de main pour terminer là. Ici, même si on arrive à tirer que quelques flèches avant de refuir, c'est pas grave. Ça fera le taf, à savoir absorber ce qui est absorbé.
Si on a notre troll qui germe sur tout le monde. Alors, nos guerriers se rassemblent, c'est parfait. En avant. En avant. C'est quoi ce truc? Quelques rangers, bon. La manticore, lui il est toujours en fuite. La manticore, elle pourrait éventuellement aller filer un coup de main. Hein. Voilà, malheureusement c'est la déroute. Go toi. Alors ici, on va se faire plaisir, balancer un petit sort du corbeau dans le tas. Et derrière on va se booster nous-mêmes. On peut pas se booster nous-mêmes peut-être. Si. On peut se booster nous-mêmes. Voilà. Alors, ici on a le géant, la manticore et le minotaure qui se fait plaisir. Ici, les chars font ce qu'ils peuvent, même si c'est pas facile. Ici ça donne quoi? Ici on a gagné. On va pouvoir foncer dans le dos de ces gens. Ce qui est pas idéal, mais quand même pas dégueulasse. Là on va essayer de terminer cela. Est-ce qu'on a des trucs qui se seraient reformés à droite à gauche? Pas trop. Pour l'instant lui il prend cher, hein. Il n'y a pas photo. Mais il fait le taf. Voilà, on va reformer ici, en avant. Là on les chope plus ou moins de dos. Ça va au moins neutraliser leur tir un peu. Nos guerriers se rassemblent, c'est qui? C'est là. Filez un coup de... Venez filer un coup de main à votre chef là. Il est quand même un petit peu en galère, on va pas se mentir. La manticore est passée en furie, on est considéré comme en train de perdre. Qu'est-ce qu'il est devenu ici? Merde, nos mecs sont partis en fuite. Et lui il a réussi à se reformer ce con, putain. Notre manticore est en... En furie, on peut même pas on peut même pas faire grand chose et l'envoyer. Après ils font le taf ici hein. Faut pas dire le contraire hein. Alors, ici on s'est reformé également. C'est des lanciers, on va essayer de les envoyer là-dessus. Non, non, ils vont courir partout, on va les envoyer là-dessus. Ici, sans grande surprise, on fuit. On fuit ici, on ne fuit pas, mais on pourrait tirer sur ça plutôt. Puisque vous êtes à portée, plutôt que courir dans tous les sens. Allez, un dernier petit sort, histoire de faire du dégât. Et il nous reste nos bêtes, notre seigneur est en fuite. Alors, nos guerriers se rassemblent, ici. C'est parti. Toi, toi t'es plus en déroute. Où est-ce qu'il est l'autre con là? Garde argenté, garde argenté. Il est quelque part dans cette putain de forêt. Faut qu'on le chope. Il faut qu'on le chope. Hein. Ici, on tabasse de la garde argentée, pareil. Toi, bah, t'es remis, tu vas essayer de revenir, mais à mon avis, ça va être la fuite avant que t'atteignes qui que ce soit. Voilà, la manticore, là. Faut qu'elle nous chope, machin, là. Il est là. Oh, il s'est dupliqué, oh, connard. Le petit connard. Là on se fait tellement pleuvoir des flèches dessus quoi. C'est pas humain. Les trucs qui sont de retour, on va essayer de les envoyer distraire quelques flèches si on peut. Pareil pour toi. Allez la manticore là.
ça de nouveau la déroute ici. Non, elle est en déroute, putain, non. Oh là là, il lui restait rien quoi. Il lui reste 71 PV, sérieux. Et bah c'est de nouveau une défaite. Compliqué hein, compliqué, compliqué, les unités d'élite, ça fait mal aux fesses. Et les bons vieux elfes et leurs archers. 171, 198 morts, 135 pour les gardes maritimes, ça fait le taf hein. On a fait mal aussi hein. On a fait mal mais pas assez. Je suis quand même un petit peu deg de cette embuscade. Bon, après nos deux armées sont pas mortes hein. Donc je sais pas ce qu'il va pouvoir faire, en plus il est en pleine emmerde, on peut dire. Maintenant à Nagarond, est-ce qu'ils ont une armée à m'amener? Non, ils n'ont pas d'armée à m'amener, donc Nagarond va tomber. Très clairement. Notre risque ici a payé. 7% de résistance physique pour Galak, bah c'est parfait. Chien chien du chef. Ils ont tous les deux eu le chien chien du chef. Allez, on va faire un petit assaut ici. Si ça passe, c'est cadeau. Échec total. Ah non, bah non. Bah du coup ça passe pas. Et en plus il s'est fait blesser. C'est pas grave. On va se les faire à la main. Alors toi du coup, t'as tout ce qu'il faut là. On va te prendre ça. On n'a pas ce qu'il faut. Non, on va te prendre ça. Un peu moins de chances d'échec, c'est toujours ça. Et du coup ici, on se relève et bim. Victoire à la Pyrrhus, on considère. On perdrait nos deux chiens du chaos. On prend le risque. On perd pas de temps et on va ériger une pierre des hardes. Alors oui, ça aurait été très intéressant de piller, de revenir. On est franchement pas dans le mal. Hein. Ah, et on a un port. Hein. C'est cool ça. Alors, on va prendre la reconstitution et on va prendre la peste. Quoique, alors regardons un peu dans notre truc de sang là. Là il y a du mur. Ici il y a du mur. Ici il n'y a pas de mur. Ouais, on va plutôt prendre le truc qui réduit le siège du coup. Qui réduit le siège, qui aide au siège. Et si je pouvais prendre, voilà, l'armée, il faut qu'on recrute. Alors, du coup. Ah, mais c'est pour tout le monde, ça. Je pensais que c'était pour le mec qui avait le... Mais non, c'est pour tout le monde, très bien. Bah, du coup, à la place des chiens, on va s'en prendre un, histoire d'harceler l'ennemi, et puis un petit rejeton du chaos quand même, hein. Je pense que à 10 rejetons du chaos gratuit, on va pas cracher dessus. Du coup ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, prendre nos niveaux. Hop, non. On va améliorer la nuée infernale, ça nous a bien servi. Et ici pareil, un petit peu de commandement en plus. Ça c'est quoi ça? Calmer l'animosité. Ah oui, parce que là on est en train d'en perdre un max parce que on s'est fait dépouiller la tronche. Classique. Alors on va regrouper ce qui est regroupable. Voilà, ça on va le laisser comme ça. Ici pareil. Hop. Hop, même ça, et on va voir si à deux on peut se le faire. On est bien en embuscade dans les deux cas, avec un peu de bol on arrive une embuscade en plus, on n'arrive pas d'embuscade, et on nous considère en défaite de justesse. Ok, on va voir si
Dans des conditions un peu plus idéales, on s'en tire mieux. C'est vrai que nos unités sont dans le mal, hein. On peut pas dire le contraire non plus. Mais bon, vu que de toute façon, on était chaque, il nous avait isolés avec lui au milieu, on n'avait pas vraiment d'alternative. On parie un peu. Ok, ça marche. Alors, nos renforts arrivent ici dans son dos, pourquoi pas. On pourrait se déployer en embuscade. Genre avec nos tireurs là. On met tout le monde, enfin tout le monde, ce qui nous reste. La Manticore, je pense que on va essayer de retrouver assez vite son héros là et de s'en occuper rapidement si on peut. On va se mettre dans la forêt. Avec tout ce qu'on peut, histoire de neutraliser un petit peu les flèches. La forêt, on est d'accord. Si je choisis une forêt là, ça permet à certaines troupes de se cacher, ça réduit les. Non, ça réduit l'efficacité des grosses unités, donc non, c'est pas trop le thème en fait. On va laisser les chiens dans la forêt. Et eux, par contre là, on va se mettre ici. De toute façon, on va attendre un petit peu que les renforts arrivent, on va pas se jeter à la bataille. Il peut tirer jusqu'ici. Ok, donc nous on avance du coup jusque là. Pareil, jusque là, toi et toi, jusque là. En espérant qu'il n'y ait pas trop de trucs planqués à droite à gauche. Ici on peut avancer caché normalement beaucoup, mais pareil, on va attendre de voir qu'il y ait des choses planquées dans cette forêt. Si je pense qu'on voit quasiment toutes ces unités. Oh putain la vache. Ok, donc il est là son héros derrière. On va pas pouvoir charger avec la Manticore. D'ailleurs on va la calmer un peu. Sinon elle va se faire dépouiller par les flèches. Mais dès qu'on aura un petit peu engagé de monde là, va falloir se faire plaisir. Putain mais... c'est quoi ça encore? La vache tire à une distance ce con. Alors ici, chien, le chien, toc, 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 vous là, vous allez tracer dans cette forêt, très vite. Pareil pour vous, vous tracez dans la forêt, le géant, il trace tout court, vous et vous, vous tracez dans la forêt pour ne pas changer. Et je pense qu'on a tout le monde là. On va essayer de les prendre sur deux flancs. Ah putain la vache, il est capable de shooter ma Manticore à cette distance quoi. Alors là, il est un petit peu en panique. Avec eux on va avancer par là. Il a bien resserré les rangs. Normalement il doit avoir des rôdeurs fantômes ou des trucs du genre planqués hein. Ah putain je suis à portée là déjà. D'accord, bon bah dans ce cas là on y va. On va enfoncer ce qu'on peut enfoncer. Ça c'est des patrouilles archers, on va s'occuper des guerriers des ombres. Toi tu vas courir par ici. Ici et ici on a quoi? Ça et ça. Vous allez courir là-dedans. Toi c'est pareil, tu vas tracer. Ici du coup on s'arrête pas. On fonce dans le tas. Le seigneur des bêtes, lui, c'est pareil. Au pire on va utiliser lui, on va essayer de le mettre par là, on utilisera son sort pour s'occuper du héros s'il faut. On va lancer les charges. Lui je vais pas donner de charge, si je vais donner une charge, c'est juste que ça s'affiche pas. Le géant c'est pareil, il va foncer sur ça par exemple. Vous, j'aimerais beaucoup que vous couriez par ici. Quoique, courez donc par là. Et les chiens, allez c'est parti les chiens.
C'est pareil, les chiens, on va les sacrifier pour qu'ils neutralisent au maximum. Là, on va perdre un géant, très clairement. Voilà. C'est pas grave, il a couvert l'avancée d'un peu les autres unités, si on peut dire. Qui se font quand même dépouiller. Il n'y a pas trop de... Attends, on est trop loin pour lancer le sort. Ici, on est au contact. Non, c'est Alice qui est ici. On est au contact avec le chien de guerre. Ah putain, il s'est dupliqué. Il s'est dupliqué. Alors là, on a quoi qui est apparu? Des patrouilleurs. Maintenant qu'ils sont un peu occupés, essaye donc de t'occuper de celui-là. Où est l'autre là? Toi, tu peux lancer un sort là-dessus ou t'es trop loin? T'es trop loin. Trace ta route. Nos tireurs ici. J'aimerais bien qu'ils courent. J'aimerais bien qu'ils courent pour commencer à tirer sur ça. Le chef Minotaur. Qui fait le taf, hein, mais... Voilà, là on a réussi à neutraliser quand même pas mal de leurs tireurs le temps que nos unités arrivent, et ça c'est cool. Toi, je t'ai pas donné un ordre? Je t'ai complètement donné un ordre, non? Je t'ai pas donné un ordre. Essaye donc d'aller chercher... pas les guerriers des ombres, mais... Ah non, bah ça c'est ma propre unité qui est dans le mal à ce point-là. Où est-ce qu'il est parti encore l'autre? Il est là. Et on sait pas où il est sinon. Bon ok. Occupe-toi de lui. Ici on a les chiens qui arrivent en renfort un petit coup. Histoire d'occuper la foule. Allez, c'est parti. Vous m'allumez la garde argentée avec tout ce que vous avez. Ici, sans grande surprise, c'est parti en déroute. Là, vous allez me dépouiller ça. Ici. Bim. Le taureau, on lui file un coup de main. Là, du coup, toi. Un petit buveur d'esprit, ça devrait aider à le finir. Alors les chiens, faut qu'ils se dégagent par contre, parce que face à des trucs comme ça, ils ont juste aucune chance. Ici, lancez-moi quelques haches là-dedans. Où est l'autre géant? L'autre géant, il est là. L'autre géant, il charge dans le tas ici. Lui, malheureusement, il va probablement crever. On va essayer quand même de le dégager si on peut. Ça c'est plus à moi, ça en déroute. Qui c'est qui n'est pas engagé encore? Toi. Tu es en train de foncer sur ça. Et l'autre là, on sait pas où il est, son foutu seigneur. Hein. Je ne le vois plus. Ça c'est des patrouilleurs. Où est-ce qu'il est planqué? Il s'est marqué qu'il est là. Sur la map, c'est marqué qu'il est ici, il est là. Il est ici, le petit coquin. On va se préparer à lui mettre une tatane. Toi, essaie de te dégager, on a dit. Alors, tout le monde recule un peu, ce qui est normal. La manticore, chope-le. On va l'envoyer un petit peu au casse-pipe sur ce coup-là, je suis désolé, mais... Il faut jouer l'efficacité. Toi du coup, tu vas plutôt approcher par ici. Et toi par là. Ici, bah, on tire sur des patrouilleurs, c'est pas forcément fifou, mais tant pis, hein, on peut pas faire beaucoup mieux. Ici, est-ce qu'on s'est dégagé? Ouais, on s'est dégagé. On peut donc aller emmerder ces trucs-là. Le seigneur des bêtes est en train de taper sur des rôdeurs fantômes, ça me va plutôt bien.
Allez, Manticore. Bim! Tiens, mange. C'est cadeau, ça m'a fait plaisir. Go. Ici, on va essayer de charger là-dedans, mais ça va pas être dingue. Qui c'est d'autre qui s'est reformé? Pour l'instant, ça va. Là, entre les chars d'un côté et le Minotaure de l'autre, on peut faire mal. Hein. Ici, ils sont juste en dehors de la forêt, donc on les dépouille. Ce qui est tout à fait souhaitable. Là, par contre, la Manticore va se retrouver un petit peu seule, mais c'est pas grave. On balance un petit sort des familles dans le tas. Un qui se barre. Un qui se barre trop, plus précisément. Alors ici, des petits lanciers pour les gardes maritimes, ça va les occuper. Ici, on va commencer à affaiblir un petit peu les trucs derrière. Ça c'est du garde, ça c'est du garde maritime. Ouais, on va commencer à affaiblir un petit peu ce qui est derrière là. L'arbre de lancier quasiment toute neuve, va faire le taf. Ici il y a Alid qui s'est réfugié au milieu de ses copains. Il reste combien de PV sérieux quoi? 140. Ouais, faut qu'elle se barre là, mon petit corps. Faut qu'elle se barre. On va plutôt taper sur ça, même si tu galères un peu. Oula, ici on s'est pris un truc là. Ouais, lui il s'est fait dépouiller. On est au sol même, tellement on s'est fait dépouiller. Ici, ouais, menace minime, je veux bien, mais il faut encore qu'on arrive à se les faire. Hein. Alors là, on va laisser les chiens s'occuper de ça. On va commencer à charger plutôt là-dessus. Même, on va essayer de se le faire, même s'il faut à distance. On a le buveur d'esprit qui est de retour là. Malheureusement, il est trop loin. On va essayer d'avancer. Normalement, on peut, c'est juste au niveau de la limite. Parfait, on a pu lui lancer le buveur d'esprit. 20 PV. Allez, tombe. T'es sérieux? Il résiste aux dégâts. Il résiste aux dégâts, j'y crois pas, c'est un truc de fou. Ici, on va le lancer là. Et on a plus de magie, ça y est. Là, on a réussi à les mettre en déroute, c'est parfait. On va aller envoyer. On va envoyer les deux s'occuper de ça. Toi, tu fais quoi? Demi-tour. Toi, tu vas aller par ici, histoire d'être un petit peu protégé, si on peut dire, par le nombre. Là, la Manticore, je suis pas convaincu, mais bon. Ici, on chope ça. Où est la garde, ce qui reste de la garde argentée là? Elle est là-bas, d'accord. Bon, on va avancer avec le géant par ici d'abord. Il y a encore du lancier mine de rien. Et ici, il y a des guerriers des ombres qui résistent. Et toi, t'es caché, tu fais rien. Intéressant. Tu vas plutôt t'occuper de ça du coup. On va y aller à 3. Ici, il faut qu'on le bute ce con. Parfait. Ça c'est bon ça. Ici, essayez donc de filer un coup de main. Ça, c'est très très bon. Alors maintenant, faut que lui, on arrive à le protéger. Hein. Hop, toi tu fais quoi? Toi tu fais rien. Ça ne va pas du tout. Et toi, tu ne fais rien non plus. Et toi, t'es qui? T'es le chaman en train de reculer. Ici, la garde argentée est en déroute. C'est très très bon ça. On va essayer d'aller neutraliser un petit peu des tireurs à droite à gauche. Oh putain, ils sont déjà reformés quoi, sérieux. On va en envoyer un là et un autre qui va faire demi-tour pour s'occuper de ça. Lui, il est en déroute, hein. Enfin il va probablement être en déroute et sans doute mourir voire être blessé. Je suis désolé pour El Toro, mais il faut qu'on fasse des choix. Il peut s'en sortir si personne s'intéresse à lui. Parfait, on a réussi à les choper. Allez, go.
Alors normalement je devrais les utiliser pour faire fuir, pour poursuivre les fuyards, hein, mais c'est pas trop le thème. Bon, toi, tu nous serviras plus à rien, il te reste combien? 49 PV. Tu vas te barrer tout là-bas. La Manticore, elle est un peu plus facile à recruter. On pourrait l'envoyer par exemple sur ça, assez facilement. Ici. On pourrait les envoyer tirer là-dessus. Pareil, assez facilement. Là, faut qu'on se replie de dos. On les rattrapera pas à la course, hein, c'est des elfes. Hein. Sur quoi on tire là? Je ne sais pas. On va allumer du lancier. Là-bas, ils sont pas en déroute, mais on les occupe. C'est pas mal. Lui, il reste dans le coin pour dire. Alors, la Manticore va commencer à tailler un petit peu des shorts. Bon, là, on est au contact avec des lanciers avec trois pillards. C'est pas idéal. On va courir un peu. Ici, c'est la déroute. Eux, ils sont en déroute totale. Allez, hop. Là, on va les poursuivre par contre. Le géant. Bah, le géant, ce qu'il pourrait faire, du coup, c'est aller s'occuper de ça. Avec en soutien un petit peu de ça. Et vous deux. Vous pourriez, par exemple, essayer de choper ça. Et vous. Là, il y a du monde encore. Hein. Go. Et vous. Alors, toi, tu es au contact ici. Pourquoi pas, tu vas peut-être reculer quand même. Ah, même mes lanciers sont tellement pourris qu'ils se font totalement maîtriser. Je vais plutôt les envoyer tirer là-dessus parce que je sens qu'ils vont pas s'en tirer sinon. Mon homme bête, il est où? Il est là. Il va donc filer un coup de main au lancier plutôt. Et vous là. Putain. Voilà, défoncez-les. Mes chiens, il y en a là, et il y en a là. Ils sont. Bah, ils ont gagné ici, c'est la déroute totale. Ici, visiblement, on a perdu. Donc, eux vont revenir foutre la merde. Mais bon, il y a nos pillards pour les absorber. C'est pas trop grave. Vous, ce qu'on aurait besoin, c'est que vous veniez choper les saloperies qui courent trop vite. Ah, il y a une garde argentée qui revient là. Non, demi-tour. Défoncez-la. Très clairement, défoncez-la. Ils reviennent ou pas? Ils poursuivent un chien. Alors on est bien placé de dos là, on va pouvoir lui refaire bien mal. Ici on avance, le moral commence quand même à bien chambranler à droite à gauche, hein, mais ils ont de la munition, plus beaucoup, ils vont arriver à court à un moment. Là on a engagé des lanciers, c'est une idée de merde. Demi-tour. Ici on s'est rassemblé, parfait, c'est la déroute totale. Tendu, 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 hein. J'aime l'occasion de boire un coup. Au final, on aura perdu une Manticore et un géant. En unité critique, on va dire. Par contre, il va nous falloir un peu de temps pour nous remettre, hein. Et puis on s'est débarrassé de leur chef aussi, ça va bien aider. Pas facile contre les elfes, hein, avec leurs tireurs. On prend la reconstitution, clairement on a que 2%, mais c'est pas grave. Alors, dans l'idéal, faudrait qu'on arrive à les finir avant qu'ils se reconstituent.
et surtout qui chope un chef. Toi, t'as déjà un bouclier enchanté. Niveau arme, t'as rien qu'on peut te mettre. Niveau talisman, non plus. Niveau objet, potion d'impétuosité, bonus de charge, c'est pas mal. Et lui, il peut avoir des montures. Ah, il peut avoir des chars aussi, lui. D'accord. Toi, t'as une armure, lui. Le home du bélier. Armure plus 5, attaque en mêlée plus 3. Ouais, c'est mieux que l'autre. Donc pour l'instant, visiblement, on est bien équipé. Ici, tu vas prendre un peu plus d'armure. Il va falloir venir. Hein. Hop, alors c'est quoi le gros truc vert là? Je ne sais pas. Et on va attaquer. Victoire de justesse. On perdrait quoi? Un chien, on perdrait notre Minotaur. C'est un peu chiant, on perdrait le taureau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est que pour le recruter, on a pour des plombes. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je ferai la bataille lors du prochain. Cet épisode est déjà bien assez long. On va faire une bataille, on va mettre nos unités un peu affaiblies à l'arrière et s'occuper du monde avec ce qui nous reste. Et du coup, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.